Coucou les poissons, nous allons voir ensemble votre petit message pour cette semaine du lundi 2 au dimanche 8 octobre 2023. C'est parti. Donc pour vous, on vous dit les poissons, il est normal de changer vos attentes envers vous-même. Donc n'hésitez pas à allez-y. Si vous vous sentez étouffé, oppressé, sur quelque chose que vous avez mis en place et qui vous dérange, vous pouvez changer. Ça appartient qu'à vous et ça regarde que vous les poissons cette semaine. Voilà, donc je continue. On vous dit pour cette semaine, confrontez-vous à votre part d'ombre. Donc certains poissons, vu que ma guidance est générale, je le répète à chaque guidance, certains poissons vont reconnaître, vont admettre et prendre conscience qu'il y a quelque chose qui les bloque, qui les frustre. Ça peut correspondre à une douleur, à une peur, à un manque, à quelque chose où vous êtes en détresse. C'est ce qui fait cette part d'ombre. Et cette semaine, vous allez vous confronter à ça. Vous allez déjà prendre conscience et vous allez voir à quel niveau de ça vous n'arrivez pas à vous ouvrir complètement et que vous allez rechercher à l'intérieur de vous cette lumière qui pourrait combattre cette part d'ombre, cette énergie pour pouvoir remédier et sortir, sortir de ce côté sombre pour certains. Il y a peut-être quelque chose en vous hein, que vous sentez qui va pas et c'est ça qui bloque sur la situation que vous souhaitez hein. Et que vous allez remédier pour pouvoir sortir de cette part d'ombre. Et cette carte vous dit que vous êtes un magnifique être de lumière et d'amour. Donc n'oubliez pas. Votre conseil pour vous, les poissons, cette semaine, on vous dit, la nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Se ressourcer au vert. Et donc, hein, pour vous, certains poissons, hein, si vous vous sentez, que beaucoup de choses s'enchaînent, c'est un chaos hein, tout le temps, parce que vous avez énormément de choses à faire entre le travail, le foyer, les enfants. On vous dit, hein, prenez le temps de vous recharger, de vous ressourcer, de rééquilibrer vos énergies et pour que vous soyez quand même toujours bien équilibré pour pouvoir garder le cap et résister aux contraintes quotidiennes de cette semaine pour vous les poissons. Et je finis avec le message des guidances étoilées. On vous dit l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort. Chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Donc on vous dit hein, pour vous les poissons, c'est le moment de faire un vœu, de le chérir, de y penser très très fort et de l'envoyer à l'univers avec tout votre amour et votre foi. Et que tout est possible. C'est là la magie de la vie. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce petit message vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et comme toujours, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Au revoir.